Salut à tous et bienvenue sur Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle montre. On va voir ensemble une montre qui va dépasser les frontières. On va voir donc sur cette vidéo l'unboxing de la Galaxy Gear S3 de chez Samsung. On va voir le déballage et si cette montre peut être accessible. Est-ce que cette montre parle? C'est parti donc pour les premiers tests de la Galaxy Gear S3 Frontier de chez Samsung. Et on va voir tout de suite si cette montre est focalisée. Alors qu'est-ce que la Galaxy Gear S3 Frontier? C'est une montre de chez Samsung, une des dernières, puisque la dernière qui vient de sortir est la Galaxy Watch. Ça peut vraiment être un superbe cadeau pour les personnes qui sont équipées de téléphones Samsung Android ou même d'Android. On a même une compatibilité iPhone sans avoir toutes les fonctionnalités par rapport à un téléphone Samsung. Donc cette montre est une montre vraiment très sympa de par son design et de par ses specs. On a donc une boîte qui est toute cylindrique, de très bonne facture. On va tout de suite l'ouvrir ensemble et voir de quoi est composée cette boîte. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert notre boîte, la galaxie est mise de cette façon. Donc c'est très bien fait, c'est très joli. On a vraiment un très beau produit. La montre est déjà mise sur son socle et ici on a une très jolie montre que je vous mets de très près sur l'écran. Alors c'est une montre avec un bracelet sport, avec un gros cadran qui tourne tout autour. On a deux boutons, un bouton sur le haut droit de la montre et un bouton sur le bas qui sert d'allumage. Si on continue donc le déballage, on a le support qui va servir à charger la Galaxy Gear S3. Alors on verra dans une prochaine vidéo tous les specs, toutes les fonctionnalités que l'on peut obtenir avec cette montre. Je vais d'abord bien m'en servir et vous montrer par la suite ce que est capable de faire réellement cette montre. Le support qui va permettre donc à recharger la montre. Tout simplement, le support est aimanté. On pose la montre, les boutons vers le haut et la montre est aimantée et se charge tout seul sans problème. On va donc continuer le déballage. On a donc un petit sac livré avec un câble micro USB, la prise d'alimentation qui va être branchée au socle à l'arrière. Ensuite, au fond de la boîte, on a comme d'habitude les notices. Voilà donc tout ce qu'il y a dans cette petite boîte de notre Galaxy Gear S3 Frontier. On va passer à l'allumage de la montre. Alors la montre est calculée pour une autonomie de 2 à 3 jours. On a donc l'haut-parleur sur le côté gauche de la montre. Le bracelet est un bracelet en plastique. On a une jolie couronne. C'est un écran OLED. C'est vraiment un très joli écran et malgré que l'on soit sous le soleil de forte lumière, l'écran est très visible. Alors, pour tout vous dire, la montre, elle possède dans l'accessibilité le voice assistant que l'on retrouve sur le Galaxy S7, S8, S9. Au premier allumage, il faut faire très attention, il faut que quelqu'un vous guide puisque l'accessibilité ne pourra pas se mettre automatiquement. Il faudra donc quelqu'un vous dirige sur les paramètres de la montre et sur le système d'accessibilité. Application tour Alors, téléphone ce qui est agréable au niveau de cette montre, on a une grosse contact. couronne telle l'Apple Watch qui normalement se trouve sur le côté. Ici, c'est juste au-dessus sur le cadran et on peut voir que... Samsung Health Galaxy App lecteur Romain D. Page suivante bouton.
Page 2 sur 3. Et ce voice. Météo. Calendrier. Alarme. Horloge mondiale. Galerie. Email. News briefing. Alors bien sûr, lorsque vous êtes connecté à votre Samsung, la montre avec Health va justement paramétrer tout le côté santé, podomètre. Vous allez avoir un GPS sur cette montre. C'est vraiment une montre très accessible avec le Voice Assistant. Page suivante, bouton. Rock. Page pres. Page. News briefing. Email. Galerie. Horloge mondiale. Alarme. On va se diriger sur. Paramètres. Les paramètres. Double tape d'un doigt sur l'écran. Paramètres. Cadran. Son et vibre. Cadran. Son et vibration. Mode son. Volume. Sonnerie. Et ici, au niveau de la montre, on va faire des pitch gauche-droite pour justement avancer dans les menus tel on le ferait avec un smartphone classique. Appareil, ne pas déranger. Affichage, luminosité, veille de l'écran. Affichage, luminosité, veille de l'écran. Connexion, Bluetooth, Wi-Fi, mode all. Paramètres d'application, ordre appli, appel, message. Sécurité, verrouille. JR. Accessibilité, vue, audition, synthèse vocale. Accessibilité. Vue. Audition. Alors, par rapport à cette montre, l'accessibilité, on a l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, pour les personnes en situation de handicap auditif. Synthèse vocale. Synthèse vocale. Audition. Vue. Vue. Lecteur d'écran activé ou désactivé, activé. Aide lecteur écran. Aide lecteur écran. Pavé de test, tester les mouvements. Didacticiel. Exploration écran. Didacticiel. Navigation dans les pages. Aide lecteur écran. Zone d'entraînement. Comme vous avez pu entendre dans cette vidéo, la Galaxy Gear S3 Frontier de chez Samsung, c'est une montre très agréable à porter, c'est une montre très accessible, c'est une montre qui va pouvoir vous rendre des services tout au long de la journée. Vous allez pouvoir répondre au téléphone, avoir le podomètre, vous allez pouvoir voir tout ce que vous faites au niveau du sport. Je vais donc la tester un peu plus longuement et dans les prochains jours, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre Vision High Tech dans toutes ses démonstrations, présentations de matériel et d'applications. Et si vous désirez d'ailleurs en savoir plus, abonnez-vous. Je vais donc tester un peu plus longuement cette montre pour vous faire un des meilleurs retours possibles. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez déjà pensé de ce tout premier début d'accessibilité de la Gear S3 Frontier. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de vous abonner, de liker et de partager comme d'habitude. Écran éteint. Et à très bientôt sur Vision High Tech. Salut à tous. Éteindre. Sensibilité tact désactivée. Éteindre.